Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Putain, mais il est en cosplay JL Tommy, ce bâtard de cana là. Putain, j'aurais pu être habillé comme ça. Pense pas, le t-shirt jamais tu l'aurais eu. Si, j'aurais pu le mettre. C'est quoi, c'est un gars? C'est Jujutsu Kaisen. Dis voilà, c'est ça. C'est ça. Dis voilà, c'est ça. Comment ça fait? J'ai eu un flash. C'est une collab entre Uniqlo et Jujutsu Kaisen. Elle est pas incroyable ça? Ouais, franchement, elle est bien. Oulala, t'es là, bug. Mais t'as les mêmes que moi, frère. Mais je suis monté dans le train New Balance, c'est bon, frère, j'ai compris. Juste, c'était cher de base, mais vu que c'était en solde, j'ai acheté. Frérot, New Balance, c'est trop bien. Et moi, perso, mes chaussures les plus confortables que j'ai, c'est New Balance et attends. New Balance, Asics. Asics, c'est trop comment t'es bien dans des Asics, frère. Tu comptes pas les Fendi? T'as vu? Les beiges, hein. Si, mais genre, ça c'est. Vas-y, frère, ça coûte 800 balles, tu vois. C'est hors catégorie? Ouais, c'est hors catégorie. Non, en termes de confort, c'est pas hors catégorie, c'est. Bah, c'est pas des chaussures, tu vois. C'est vraiment. C'est dans la catégorie des chaussons, limite, tu vois, plus. Bah oui. Encore heureux, frère, tu payes la chaussure 800 balles, frérot. Y'a intérêt à ce qu'elles sont confortables, frérot. Hein. Même si elles sont effilochées au bout d'une semaine et qu'elles sont déjà ouais, plus sortables, là, pour moi. Du coup, là, tu vas à l'hôtel? Tu vas pas à l'hôtel? Non. Je prends le train de la première heure à 7h du matin. J'aime bien comment t'habilles. Ah ouais? Ouais. Ah, tu restes là jusqu'à 7h là du coup? Ouais, jusqu'à 7h et après je décale et je vais en cours. Pourquoi chaque fois que tu me serres la main dès que tu dis un truc? Il aime trop. Vous avez remarqué qu'il aime trop me serrer la main, Kada? En fait, j'aime bien, ça fait. C'est signé, tu vois, c'est marqué comme c'est ça. C'est acté. Ah, mon petit Kada? Ça va, en plus, ils ont un joueur que j'aime beaucoup, frère. C'est qui? Vélar ADC. C'est qui? C'est Vespa, si j'ai pas de bêtises. Et ouais, très bon ADC. Donc, c'est Vinicius. Je crois que t'es trop un footix pour l'avoir. Ouais, je pense. Parce que Vinicius, il court vite. Et du coup, on dit que c'est un scooter. Et un scooter, c'est un Vespa. Oh, ouais, j'avais une double ref. Ouais, ouais, c'est trop dur, frère. Il y avait une double ref. Enfin, les connaissances scooter et les connaissances. Est-ce que les footers vous l'aviez? Est-ce que vous l'aviez? Bah, ça, faut connaître le foot et les scooters. Faut connaître le foot et. Mais tu connais un Vespa, tout le monde sait ce que c'est un Vespa. Scooter tout moche là, le petit. Non? Ouais, c'est. Attends. Vespa. C'est genre ça là. Et pas. Je parle pas de Mohamed. On va mettre ça là. C'est ça là. Ah oui, ok. Putain, j'ai beaucoup de ref là. Wesh, ouais, bon. Oh là là. Laisse-moi connecter. C'est ça là. Je parle pas de Mohamed. C'est vachement moche quand même. Ouais, mais c'est. C'est vintage, je crois. Qui achète ça? En vrai, les meufs elles aiment bien les Vespa. Les meufs aiment bien les Vespa ou alors les Daronnes. Moi je préfère les Veski hein, parce que là c'est. C'est pas ouf. Et du coup, on joue contre les e-sports. Ah, ça on fait quoi? Déjà là on joue contre. On c'est genre la Mini Cooper des scooters, tu vois, un petit peu. Oh, ça c'est une voiture de meuf, la Mini Cooper. Ouais, mais ça, voilà, c'est mais c'est un petit peu l'équivalent par rapport aux scooters quoi. Y'a quoi d'autre comme voiture pour meuf? Audi A3. Oh, non, A1. 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 A1, ouais. Les meufs elles aiment bien les A1. Et les Fiat, je sais pas quoi là. Fiat 500. Ouais, en vrai, les Arabes aussi ils aiment bien les Fiat 500. Ah ouais? Bah, les mecs Arabes aussi, ouais. Les voitures carrées là, les petites? Ouais. Je sais pas pourquoi, frère, ça me casse les couilles d'ailleurs. Ah, putain, voilà. T'es trop la haine. Pourquoi? Je sais pas, frère. Je sais pas, ça fout la haine. Tu sais, des fois, je suis là, je roule. Oh, je vois trois grands rebeux, ils sont dans une Fiat 500. Je sais pas, moi, c'est un rebeu normal, roulant. Ouais, je sais pas. En golf. Prends une Clio, une Clio 3, comme tout le monde, frère. Mais oui, c'est vrai, il y a une méta Maghreb Fiat 500. Toi, t'aimes pas les Fiat 500? Tu sais que moi, j'ai eu mon arc Fiat 500, j'aimais bien les Fiat 500. T'en as une? Je me suis laissé influencer par. C'était à l'époque, tu vois. Ouais, et c'était pas les Fiat 500 comme maintenant, c'était les Fiat 500, mais je sais pas si c'était les Fiat 500. Toi, t'as quoi comme téléphone à thème? J'ai l'iPhone 13, iPhone 13 Pro Max. T'avais pas acheté le truc au-dessus? Non, je devais l'acheter, mais au final, je l'ai pas acheté. Ah. Parce que mon plafond de ma carte bleue, il se bloque tout le temps, ça me casse les couilles. T'as pas l'étal. En gros, j'ai que 25 000 euros par mois de plafond et à chaque fois je dépasse, c'est trop chiant. Ouais, hein. Bah oui, putain, même moi, casse les couilles. Ah ouais, non, mais casse les couilles vraiment. T'achètes 25 000 euros par mois? C'est une vanne, c'est ah, une vanne. Ah, bah, ça aurait été possible avec toi, frère, wesh. Y'a un chien, y'a un monde. Mais 25 000, tu te rends compte de ce que c'est 25 000 euros, frère? Je te jure, je pense que tu peux les dépenser en un mois. Oui, ça. Mais je peux les dépenser, genre si jamais là on fait locaux plus. En gros. Loyer du local. Cachule. En gros, ça peut partir, mais en général, t'as vu, la plupart de mes dépenses, ils partent en virement, pas en carte bleue. Ah, et du coup, ça compte pas dans le plafond de ta carte et non, bleue. Parce que genre, en gros, je vais faire les virements des joueurs, les virements du staff, les virements des miniamakers, des monteurs, tout ça, en gros, ça part, tu vois. Ah. La grosse part de Harki aussi, qui remplit bien. Mais en gros... Quoi? Il mange Harki, hein. Harki, il mange, hein. Mange. Mais en carte bleue, genre, ça va être... genre, si jamais, là, je vais à Ikea, je vais acheter les meubles pour les locaux, tu vois, ça va partir. Ok, ouais, c'est vrai, donc ouais, 25 000 c'est chaud. Et des fois, quand tu vas avoir des rushs de paiement, et eh ben du coup, après, je suis complètement fucked up. Du coup, tu manges des paiements refusés. Du coup, je me mange des paiements refusés. Oh, comment ça va être trop la honte. J'ai trop laine parce que t'as vu, souvent, quand je vais dans des magasins, les mecs ils me prennent pour un clochard. Ouais. Donc, du coup, moi, je suis là, j'arrive avec ma carte gold, je me dis, regarde, je vais bien les mettre corda, ils vont être en mode, ah, je l'ai pris pour un clochard, alors que c'en est pas un, tu vois. Ouais.
Et bam, j'arrive à la caisse, paiement refusé. Ils se disent, ah, je l'ai pris pour un clochard. Et c'est vraiment un clochard. Là, tu fais quoi, tu sais, quand t'as ça, tu repars les mains dans les poches. Je dis, non, je dis, je vais retirer en général. Et tu retires et tu. Ouais, je retire, je reviens, tu vois. Mais bon, c'est chiant. Ah, c'est vrai que moi, j'ai jamais regardé les autres matchs. Du coup, je vois pas comment ils castent les casteurs Valorant. Ouais, c'est vrai que moi non plus, j'ai jamais regardé. Moi, j'aime bien ne pas regarder, comme ça, je suis pas influencé et je caste à ma manière. Oh. Tu vois, parce que des fois, après, je vais me dire, ah, ça, c'est bien ce qu'il a fait. Et après, je vais vouloir le refaire, tu vois. Là, au moins, je le regarde pas et au moins, je caste à ma manière à chaque fois. Ah, tu veux pas, toi, voler les. Non, j'aime bien. Comme ça, je fais à ma sauce. Au moins, tu vois, à partir du moment où je suis neutre, t'as vu, c'est comme si c'était sur. Genre, je lance une seed sur Minecraft sans avoir vu de gameplay Minecraft, tu vois. Au moins, du coup, je fais vraiment ma propre aventure. Alors que si je regarde un let's play de Fanta et Bob, ouais. Tu vois, bah, je vais vouloir faire. Ou de Hyper, je vais vouloir faire de la redstone, je vais vouloir faire des trucs mécaniques, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai un spoil que tu vas faire dans, sur Minecraft bientôt. Pas du tout. Ça serait cool, ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que ça se trouve, moi, j'ai envie de jouer à Minecraft. En vrai, ce que je me rends compte, que j'ai juste envie de m'enterrer, de pas faire de maison, j'ai envie de m'enterrer, de faire une maison souterraine et de tuer des araignées pendant tout le temps, tu vois. Ah ouais, juste ça. Ça se trouve, c'est ça que j'aime. Et comment je pourrais le savoir si je suis influencé par Hyper? Et si tous nos gameplays étaient influencés par ce qu'on regardait avant? Ça se trouve, là, à cause de toi, t'as créé une génération de top laners avides de push qui vont pas teamfight avec son équipe. Oui, ça se peut. Ça se peut, hein. Ah, criminel, peut. Frère. Vous êtes tous des bons. Vous êtes tous des bons, les top laners qui full split push et qui ne teamfight jamais. Elle est pour vous celle-là, mes frères. Et ceux qui jouent Yoru, qui vont en 1v4 sur un site, je les aime beaucoup. C'est vraiment que des méta de merde, franchement. C'est vrai que j'ai créé que des monstres. J'ai rien apporté de bon à l'e-sport. C'est vrai, t'as apporté Singed. Si ton chamber, en vrai, ça allait. Ça. Ouais, mon chamber il était clean, mais après c'est normal, c'était en game off, donc forcément, en game off, c'était à... C'est off-y, la Lyon e-sport. Oui, la Lyon e-sport, en vrai, c'est un petit peu off-y, hein. Ouais, même sur GTA. Felon. Ah oui, ouais, que des méta de la, merde. La Felon, après, non, la Felon, ça va, par contre, c'est la Chebourek, c'est vraiment un truc de merde. Chebourek, c'est quoi? C'est une voiture de. C'est la voiture de Miguel, la VTL. La jaune, là, la VTL. Ouais, la jaune. Après, dans le online et dans tous les free access, il y en avait plein de gens qui avaient une Chebourek parce qu'en gros, elle était pas chère, ouais. Elle était trop forte et elle est petite. Ça veut dire que, en gros, pour les gens dans les free access qui voulaient vraiment juste faire du win RP et semer les flics, vu qu'elle est petite, ils pouvaient passer dans des endroits qui étaient serrés et les flics derrière, ils passaient pas en fait. Je sais pas si toi, tu leur as montré ces endroits serrés où. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit à côté des égouts là? Ta voiture a passé dedans. Tu sais, à un moment, genre, tu passes et si tu passes mal, tu tombes autour des égouts comme ça. T'sais, oui, non, ça, même une voiture de keuf, elle passe. Ah, ok. Non, ça va, moi, j'étais pas trop une pute quand même en général. Oh, d'ailleurs, attendez, je voulais vous en parler de ça. Ça, je voulais vous en parler parce que c'est broken. Regardez bien. Je ne sais pas qui a fait ça, c'est un mec de l'ombre, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais en gros, je l'ai vu spawn dans ma TL, frérot. Et en fait, il a fait un truc qui s'appelle Job Lifebot, je sais même pas comment je suis tombé dessus. Ouais, non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas qui a fait ça, et en gros, c'est un bot. C'est un bot, de ce que j'ai compris, ou en tout cas il se fait passer pour un bot. C'est un bot. Qui tweet toutes les informations. Ouais. Ça veut dire que là, vous avez toutes les infos. Match détecté aujourd'hui, machin truc, je sais pas quoi. Début à 21h, il y a la compo de nous, la compo des adversaires. Et ça fait ça pour tout. Là, match détecté à 20h. Genre là, même les streams des joueurs. Ouais, même les streams des joueurs. Regarde, nouvelle vidéo, nouveau stream. Dès qu'il y a une actu, c'est tweeté et je ne sais pas qui a fait ça. Et voilà, je suis sérieux. Je ne sais pas qui a fait ça. Il y a un monde, c'est même pas un GL qui a fait ça, que il y a la même chose pour pas mal d'équipes. Genre, j'ai vu ça pour d'autres trucs. Ah ouais, mais ouais. Non, il a avec la PP bleue et tout. Créé par un ultra pour les ultras. Ah ouais? Ouais, bah ouais, frère. Les gars, je suis le premier follow de ce compte. Ah ouais? Je te jure, je l'ai vu, frère. Il avait 32 abonnements, 0 abonné. F5, juste pour voir la force de frappe. Tu vois, il y a 8. Oh, ah. Putain, plus 20. Oh non, t'es trop star, t'es chaud, mon gars. Pourquoi? Bah, 20 followers en 3 minutes. Non, mais en gros, si jamais y en a, moi, c'est pas moi qui l'ai fait ou quoi, mais si jamais y en a qui sont intéressés ou quoi, eh ben, moi je m'en sers. Ça, c'est grave utile. Mais moi je m'en sers parce que je savais pas sur quoi on truquait, mais. Ouais. Donc, moi la line-up LOL de Lille, jusqu'ils l'ont. Ouais, Vespa. C'est même pas des Français. Ah ouais, putain. Ouais. Et la line-up Valo d'en face? Attends, indécision. Attends, c'est quoi comme drapeau ça? Ça c'est. Attends. En fait, c'est le drapeau. Ça, c'est la Norvège. Il y avait écrit quand t'avais ta souris dessus, ça le bâtard. Ah oui, mais voilà, je... Mexique. Mexique? Mais non, c'est pas le Mexique ça. Ça, c'est l'Inde ou un truc comme ça. Alors, l'Inde, c'est pas ça. Oui, mais genre, c'est les pays. Ah, Pays-Bas? Pays de l'Est, ouais. Non, c'est pas les Pays-Bas. Ça, c'est genre l'Ukraine, je crois. Ou... Ah non, l'Ukraine, c'est jaune et bleu, on l'a vu partout. En fait. La Grèce, peut-être? Non, c'est pas la Grèce. Non, pas l'Italie, c'est pas la Ponce. Ça, c'est les pays de l'Est, mais tu sais, les pays de l'Est, genre, je vois une AK-47 sur le drapeau, tu vois. Roumanie? Non. Plus, c'est pas l'Albanie, parce que je connais le drapeau, ouais, des Albanais. Rouge. Ah, Bulgarie. Frère, je te l'ai dit ou pas AK-47? Je te l'ai dit ou pas AK-47? Il y a une AK-47 sur le drapeau? Non, mais genre en mode là-bas, tu vois, il y a des AK-47. Je crois qu'il est là le drapeau comme ça. Ah oui, ça, c'est la Chine. Ouais. Non, Vietnam. Non, c'est la Chine. Ils sont partis chercher un mythe chinois, frère. Notre top, il est chinois, frère. Non, notre top, il est français, frère. Mais toi, t'es un baiser ou quoi? Il est franco-chinois. Mais il est français, frère. Nous, c'est la France. Regarde-nous. Nous. Que de la France, frérot. Allons, bleu, blanc. Enfants de la patrie. Et eux, attends.
Benelux. Oh, alors là, eux, il n'y a pas un français. Alors, je sais ça, pas si c'est Belgique, Irlande, Belgique, Belgique, Pays-Bas. Alors, je sais pas, ils ont compris. Je suis trop fort, mais là, viens, trop fort. C'est VRL. T'as dit quoi? Pourquoi il n'y a pas de français dans l'équipe? Parce que c'est Benelux. C'est Sector 1, et Sector 1, c'est une équipe belge. Oh. Belgique, Netherlands, Luxembourg. Luxembourg. Ouais. Oh, putain, c'est, ouais, mais c'est... du coup, ouais, c'est vrai que l'Irlande, c'est pas dans le Luxembourg. Après, ils peuvent quand même. Enfin, bref, moi en tout cas, de ce truc-là. Ah, ben ouais. Pardon d'avoir taillé ta force de frappe. Mais si jamais, moi je m'en sers et franchement, c'est grave pratique. Gros SO à celui qui a fait ça. Franchement, il a pas fait. Il a rien dit. Il se follow même pas, je crois. Ah, il m'a follow. Vraiment bon. Vraiment, tu sais, genre. Il a laissé aucune trace de lui. Il a laissé aucune trace de lui. On sait pas qui c'est. Un héros de l'ombre. Et en tout cas, merci pour ça, frérot, parce que vraiment, ça nous met bien et au moins, on n'aura aucune excuse pour louper des infos et on saura où aller chercher les infos. Au nom des ultras, je le remercie en tout cas, moi. Au nom des ultras, moi aussi, je te remercie. Poudou, moi, je vois le mal partout.